Monsieur, excusez-moi, je vous interromps. La partie là, on n'a pas terminé. Où vous avez dit que quand le commandant vous expliquait un enfant qui rentrait dans le trou, oui. On n'a pas terminé la partie là. Ok. Je disais que quand le commandant lui a montré les photos, De la part de l'avion qui décollait, c'est là qu'il a expliqué qu'un enfant comme ça, quand il rentre dans le trou, comment, à ton avis, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois? C'est là, lui, il a dit que mais, soit la personne est étouffée, ou bien la personne même elle a, est morte, parce que de toute façon, je vois là, c'est pas clair. C'est là, il a montré les photos que bon, ben, voilà l'enfant, c'est comme ça, il a été, et puis on a retrouvé le corps en France. Donc l'enfant là est mort. C'est comme ça, on a appris la nouvelle. Donc il pleurait et puis il est venu. Et nous tous, on a commencé à pleurer. Depuis ce jour, le commandant là, sont arrivés ici. Pour poser des questions, pour nous dire la même chose. Depuis ce jour-là, les journalistes, tout le monde devient les journalistes. Mais nous, ça nous fait tellement mal, on ne peut pas parler parce que toi, tu as ton enfant, tu as fait comme ça. Oui. Et puis l'enfant est arrivé en 4e. Et puis l'enfant va à l'école. Il ne connaît même pas Agamé. L'enfant ne connaît même pas Agamé. Il va à l'école, il vient, il joue un peu avec sa maman, avec son papa. Voilà, tu vois, c'est avec ceux-là qu'ils jouent. Ouais, tu vois, ballon là, c'est ici. Et après, une fois il est l'heure, l'enfant rentre et puis il étudie. Mais comment se fait-il que celui qui ne connaît pas Agamé là, il va aller jusqu'à l'aéroport. Hein? Il va aller jusqu'à l'aéroport. Bon, même s'il arrive à l'aéroport, c'est près de 30 km qu'il était ici à l'aéroport pour vous. C'est 30 km. Bon, l'enfant qui n'a rien, il n'a pas même quelque chose. Comment c'est fait que Dieu a pris un taxi et puis il va aller jusqu'à l'aéroport? Quanto costa un taxi da qua all'aeroporto? Combien coûte le taxi d'ici à l'aéroport? 5 000. Non ce l'aveva? Non. Tu vois? Donc tout ça là, ça nous a paru un peu bizarre. Ok. Bon, maintenant s'il arrive à l'aéroport, bon, nous chez nous en Côte d'Ivoire ici, on a l'aéroport qui est sécurisé. Ouais. Il y a les caméras partout. Bon, si un petit enfant de 14 ans rentre, la caméra est là, les policiers sont là, il y a la douane, il y a la police et tout ça là. Il n'a jamais tout ça là. Comment l'enfant peut traverser tout ce monde là jusqu'à aller... Alors bien sûr. Donc, nous, vraiment c'est ce que je dis là, que les doigts là, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc, on n'a accusé personne. L'enfant est parti à l'école, il n'est plus jamais revenu. Par quels moyens on peut passer? Qui peut nous aider pour que l'enfant nous... On va, même s'il est mort, on va quand même voir le corps de l'enfant. Et puis l'enterrer. C'est tout. C'est tout. Ah, on ne vous a pas encore remis le corps de l'enfant? Non. L'enfant, est tout, le corps est toujours en France. En France? Le corps pas en France? Si, si, encore en France. Pourquoi il retourne? Quelle est la demande qu'il lui a faite? Okay? Ah. Lui, c'est quelqu'un de la solution. Hein? Comment il faut faire venir le corps? Parce que lui, non c'est soldi, non c'est nessuno pour aider. Pour cercare questa strada. Loro sono un po' chiusi così. È un problema di soldi? No, non ho problema di soldi prima, ma non c'è nessuno per parlare, magari il governo, che loro hanno bisogno del loro bambino. Ok, certo. Non hanno bisogno di qualcuno, perché loro a casa qui sì. Non c'è nessuno per parlare con loro. Ok. Non, se lo proprio chiedo. Ma adesso che dici se sa che ci sono delle indagini in corso? Che se la polizia sta... Sì, elle dit, est-ce que les enquêtes sont en cours? Pour comprendre un peu comment ça s'est passé ou comment faire pour remettre encore le corps. Oui, enfin, en principe, nous on ne connaît même pas par quel moyen faut-il passer pour que le corps nous revienne. Maintenant, les journalistes qui viennent là, en leur expliquant, c'est eux qui vont peut-être nous aider. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit que tout à l'heure, ce qu'on leur dit là, quand ils savent, ils changent. Tu vois? Donc, c'est pas. Excuse-moi. Adesso che adesso loro stai cercando la soluzione, come fa per avere loro come se corpo adesso? Nessuno, quando arriva qui il giornalista, tutte le parole che dico loro cambiano la parola. Voilà. Loro scrivono sì. un altro cosa. E di dove sono questi giornalisti? Sono ivoriani? Qui, sì, sono okay. Qui. Loro scrivono un'altra cosa. Che adesso loro non sanno ancora niente certo. Di questa storia, è come è chiuso così. Sì. Sì. Non c'è nessuno per parlare... Non c'è una soluzione per parlare alla nazione, non c'è nessuno. Ok. Senti, chiedigli se loro sapevano, avevano mai parlato del fatto che il bambino potesse voler venire in Europa. Ok.
Elle dit de vous demander quoi? Si l'enfant a déjà parlé à la maison ici, s'il avait déjà envie d'aller en Europe. Bien, j'ai dit non. Parce que. Là, oui, parce que j'ai dit non. Parce que là, ça c'est un rêve d'enfant. Ouais. Bon, ouais, moi je vais aller en France, hein. Mais tu sais bien que tu n'as rien. Oui. Et tu es un enfant. Oui. Pour aller en France, il faut avoir le passeport. Il faut quelqu'un qui va te recevoir là-bas. Il faut que le papa ait les moyens. Il faut que le papa décide. Voilà. Mais tu ne peux pas dire que bon, moi je vais aller en France et puis tu vas aller. Ça, c'est un rêve d'enfant. Nous-mêmes, ça nous a tous arrivé. Voilà. Oh, je vais aller aux États-Unis, hein. Oh, je vais aller en Espagne, hein. Je vais aller en Italie, hein. On le dit, mais est-ce qu'on a les moyens? Pas les moyens. Mais de près, la femme ne l'a jamais dit ça. Nous n'avons pas dit que ça n'est pas nous. Mais Magari, quand tu seras piccolo. Dei sogni, di così, cose tutti in genere tutti. Loro conoscono altre persone che sono venute in Europa? Elle dit, est-ce que déjà vous connaissez quelqu'un, la famille comme ça, qui sont déjà en Europe, peut-être qui est en contact avec la famille. Et en Afrique, c'est pas comme nous, on a des villages. Voilà, disons un gros village. Mais dans ce village-là, moi je dis voilà mon frère. Ouais. Ça c'est même famille. C'est même famille. S'il y avait un de notre qui était allé pour la France, il peut dire qu'il y a un, mais nous, non. Voilà pourquoi on est comme ça. Moi, tu es sous la